Les entretiens de marquis, bonjour à tous. La polémique Ségolène Royal, BHL, Patrick Cohen et Raphaël Glucksmann jouent les tontons flingueurs. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais rappeler ce que c'est que la propagande, même si vous savez tous ce que c'est, bien évidemment, mais vous savez que la propagande a un but de tromper et manipuler pour que le public adopte un comportement qui est voulu par celui qui fait de la propagande. Mais il y a un principe qui est véritablement important. Dans la propagande, vous allez faire en sorte de cacher les crimes de votre armée, notamment dans un conflit, et de faire en sorte que les erreurs de l'adversaire vont être montées en épingle, mises en avant 24 heures sur 24 sur les écrans pour diaboliser, pour susciter de la haine envers votre adversaire. Ainsi, on va vous montrer des enfants tués, des femmes massacrées, parce que ce sont des images extrêmement poignantes et qui vont manipuler vos émotions. Voilà où nous en sommes, et c'est dans ce contexte que Ségolène Royal, le 2 septembre, fait voler le consensus pro-ukrainien à la télévision française. En effet, elle dit cette chose, il y a une propagande de guerre par la peur. Ségolène Royal met en doute certains possibles crimes de guerre ukrainiens, et notamment, elle explique qu'on n'a toujours pas les témoignages sur ces crimes. Alors, ça a été un énorme pataquès. La première chose, et une chose un peu amusante, Ségolène Royal reprend exactement ce que je dis depuis des semaines, des mois. Hein. On exploite des crimes pour manipuler les émotions et faire en sorte que vous adhériez au narratif, à la propagande ukrainienne, et non pas que vous ayez accès, eh bien tout simplement, à ce que disent les Russes. Et c'est bien là le problème sur les télévisions françaises. Hein. Nous n'avons pas du tout accès à la défense russe. Pourtant, nous ne sommes pas en conflit avec la Russie. On devrait pouvoir peser le pour et le contre. On devrait avoir une presse libre. On devrait avoir des journalistes qui respectent la charte de Munich. Eh bien, pas du tout. Il n'y a qu'un son de cloche. Et si vous ne répétez pas ce qui est dit par la presse mainstream, vous êtes littéralement effacé. Et c'est ce qui est arrivé à Ségolène Royal. Elle a même dû s'excuser platement par la suite. Alors, je vais revenir sur deux éléments. J'ai lu les articles du Figaro, du Monde, de Libération, sur deux faits. D'abord, la maternité bombardée de Mariupol. Mariupol est une ville du sud-est qui est occupée aujourd'hui par l'armée russe. Or, il y a eu des conflits entre la Russie et les troupes ukrainiennes à l'intérieur de la ville. Les combats ont été d'une très grande intensité. Et un jour, sur nos écrans, nous avons vu que cette maternité de Mariupol était en feu. Et nous avons aussi constaté qu'il y avait des civils qui sortaient, notamment une femme qui était couverte de sang sur une civière. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces images? D'abord, une image, elle peut être, Eisenstein nous avait expliqué, elle peut être manipulée. Nous savons une chose, nous savons qu'Amnesty International nous a expliqué que l'Ukraine utilise des bâtiments civils à des fins militaires. Autrement dit, elle cache des troupes, des armes dans des bâtiments civils et elle utilise ces bâtiments civils pour lancer des attaques militaires. Or, il se trouve que j'étais artilleur autrefois, et je sais très bien comment les choses se passent quand vous êtes sur des duels d'artillerie, c'est tir d'artillerie et tir de contre-batterie. C'est-à-dire que tout de suite, l'armée adverse a repéré où vous étiez et vous renvoie des obus sur la figure. Vous avez donc, à l'époque, je me souviens, c'était 38 secondes hein, pour dégager, sinon on prenait des tirs de contre-batterie. Alors évidemment, c'était des manœuvres, hein, je n'ai pas fait la guerre, mais on avait... Quand on avait tiré nos 6 obus, on avait 38 secondes pour vite partir. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe, et j'imagine qu'avec les moyens modernes, ça a dû vraiment accélérer. Donc, vous tirez très très vite vos obus, hop, vous vous cachez. C'est comme cela que ça se passe. C'est-à-dire que si les troupes du bataillon Azov ont utilisé ce bâtiment de la maternité, il est à peu près normal que l'armée russe réponde en tir de contre-batterie. Ça se fait presque électroniquement. Les types, ils n'ont même pas le temps de savoir si c'est une maternité ou autre chose. Ils ont vu des tirs, ils répondent. Donc, imputer ce fait à l'armée russe sans voir la responsabilité du bataillon Azov qui était peut-être dans la maternité de Mariupol, ça me paraît compliqué. Quant à Boutcha, alors là, Boutcha, ça nous a laissé un petit peu sans voix, puisque pendant 3 jours, rien. Et puis, le 3e jour, on a eu l'impression que l'armée russe déposait, comme le petit poussé, des cailloux. Mais ce n'était pas des cailloux, c'était des cadavres. Alors, les cadavres sont là, il y a eu des inspecteurs, ils les ont vus. Maintenant, qui a tué ces gens? On ne
sait pas. Depuis, le charnier de Timo sera, il faut attendre une enquête, il ne faut absolument pas se précipiter, d'autant que on nous donne des témoignages, on nous dit, bah oui, c'est par exemple, moi je vous donne des témoins, hein, voilà les deux témoins qui nous expliquent que la maternité Mariupol a bien été bombardée, j'ai expliqué d'ailleurs, mais vous regardez quoi, I am ukrainian, et l'autre a un t-shirt ukrainien, c'est-à-dire qu'on a des partisans. Et là, ça me pose un problème, là encore, parce que j'ai suivi le bombardement de la centrale de Zaporijjia. Pendant une semaine, on lisait dans la presse qu'il y avait des tirs sur la centrale de Zaporijjia. On ne savait pas d'où ils venaient, alors qu'on savait qu'elle était occupée par l'armée russe. Donc il y avait très peu de probabilité que les Russes bombardent la centrale qu'ils occupent et dans laquelle ils avaient des hommes. Donc là, ça paraissait assez peu probable. Et nous avons vu des témoignages, et notamment d'un maire pro-ukrainien, nous expliquer que c'était l'artillerie russe qui tirait sur la centrale de Zaporijjia. Alors c'était tellement idiot et tellement absurde que les Ukrainiens ont fini par reconnaître que ce sont eux qui tiraient sur la centrale de Zaporijjia. Et des témoignages de ce style, nous en avons énormément. C'est pour cette raison que lorsqu'il y a ce type de fait, il faut absolument une enquête indépendante qui ne soit pas partisane et qui arrive à déceler les responsabilités des uns et des autres. Or, il se trouve que dans Zaporijjia, il y a eu des inspecteurs de l'ONU, de l'agence atomique, et qui ont reconnu que c'était évidemment les tirs ukrainiens. Et d'ailleurs, maintenant, l'Ukraine ne dit plus que ce sont les Russes hein, qui tirent, puisque ces inspecteurs ont remercié la Russie de les avoir protégés. Et nous avons aussi appris que les habitants autour de Zaporijjia avaient donné une pétition pour demander à l'Ukraine d'arrêter ses tirs sur la centrale. Voilà comment les choses se passent. Ce sont des informations qui ont été données dans la presse anglo-saxonne, ou dans la presse générale, mais que vous n'avez pas en France, parce qu'évidemment, il faut cacher la vérité, nous sommes à un niveau de propagande. Alors voilà, nous savons donc que l'Ukraine utilise des bâtiments civils, qu'elle manipule les témoins, qu'elle instrumentalise les peurs, mais ça ne dérange absolument pas nos journalistes de plateau, et notamment un sacré client sur cette chaîne, Patrick Cohen. J'avais écrit un article extrêmement dur sur le Covid contre lui. Et bien là, ça va être contre ce qu'il est en train de dire. C'est bien la peine de fermer Spoutnik et RT si c'est pour laisser délirer Madame Royale. Alors, il avoue qu'il y a de la censure. Or, nous ne sommes pas en guerre, je le répète, contre la Russie. Je ne comprends pas pourquoi on devrait censurer des journaux russes en France alors que nous ne sommes pas en guerre contre ce pays. Et donc, Patrick Cohen explique qu'il y a un narratif officiel et que celui qui n'est pas dans ce narratif, eh bien, il doit être effacé. On a presque envie de dire, c'est la cancel culture, ça. Il doit être effacé. Il n'y a plus de débat, plus de démocratie, plus de liberté. Or, ce qui nous dérange, c'est que l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme stipule que la libre communication des pensées et des opinions est un droit le plus précieux de l'homme. Mais M. Patrick Cohen, lui, ignore ce genre de choses, comme il ignore la charte de musique. Normalement, il faut peser le pour et le contre. Et les exemples qu'il nous a donnés pour montrer que les Russes sont d'affreux vilains, non seulement ne sont pas convaincants, cette histoire que les Russes auraient enterré des cadavres sur le terrain que la France a quitté au Mali, que nous avons un drone qui aurait pris des images. Ce qu'on voit sur les images, on voit des gens en effet enterrer des cadavres, mais nous ne connaissons pas l'identité de ces gens. Alors Patrick Cohen, lui, sait tout, il pense que ce sont les troupes Wagner. Remarquez que c'est possible hein, qu'on fasse un petit coup, un sale coup à l'armée française, parce que, et notamment au Mali, il y a des groupes hein, qui en veulent à l'armée française. Sachez que je défends toujours l'armée française, mais ce qui s'est passé au Mali, la mauvaise gestion du Quai d'Orsay et de la France fait, c'est pas la faute des militaires, mais ce sont eux, c'est à Paris que ça a été très mal géré, fait que, bah, évidemment, ce genre de choses apparaît. D'autant plus que c'est un coup, j'ai envie de dire, assez traditionnel hein, d'utiliser les cadavres. En effet, vous vous souvenez tous du charnier de Timo Ciara en Roumanie, où on nous avait montré des cadavres, mais qui venaient d'une morgue. En fait, on les avait déterrés. On avait montré une femme avec un nouveau-né. Hein. C'était une horreur, mais qui avait été pris dans une morgue. Et les Américains, eux, ils nous avaient fait ce coup-là pour envahir l'Irak en 1990. Ils nous avaient montré une infirmière, les larmes aux yeux, nous expliquant que les bébés koweïtiens avaient été massacrés par les Irakiens, qu'ils avaient débranché les couveuses. Cette jeune fille pleurait, et on sait aujourd'hui que c'est un fake. Alors, des fakes comme ça, nous en avons énormément, jusqu'à la fameuse fiole de Colin Powell. C'est pour cette raison que lorsqu'il y a ce type de fait,
Il faut attendre les conclusions d'une enquête internationale, notamment du TPI. Moi, je voudrais juste rappeler une chose, c'est que pendant la guerre du Kosovo, qui a opposé notamment l'OTAN et la Serbie, hein, eh bien, BHL venait sur les plateaux en expliquant qu'il y avait un génocide au Kosovo, qu'il y avait plus de 500 000 victimes. Et lorsque le TPI, 3-4 ans plus tard, a rendu son rapport, nous avons appris que c'était 12 fois moins, mais pire, qu'une partie des victimes qui étaient censées être des victimes des Serbes, eh bien pas du tout, c'était de l'Ucheka. L'Ucheka, c'était l'armée kosovare, qui était une bande de voyous. Il n'y a pas d'autre chose à dire, hein. Ils étaient dans tous les trafics de drogue, d'êtres humains. C'était vrai. Quand vous regardez les crimes de l'Ucheka, c'est à faire dresser les cheveux sur la tête. Et ce sont ces gens-là que nous avons soutenus. Et que le seul nettoyage ethnique qu'on a pu constater, eh bien ce sont les Serbes qui en ont fait, hélas, les frais, puisque comme ils étaient minoritaires, bah, ils sont littéralement village par village nettoyés ethniquement. Voilà, donc on attend les conclusions de tribunaux indépendants avant de se précipiter dans le narratif de guerre, car on sait toujours que le narratif de guerre, c'est de la propagande. Alors ce Patrick Cohen qui veut que nous vivions comme sous l'époque stalinienne, eh bien il est évidemment rejoint par toute l'équipe de mauvais atlantistes et j'ai envie de parler évidemment de notre ami Bernard-Henri Lévy. Alors Bernard-Henri Lévy, c'est quand même le gars qui est capable de dire le problème n'est pas de savoir qui a tiré sur Zaporijjia. Ah non, c'est vrai, celui qui veut faire péter une centrale nucléaire et causer une catastrophe nucléaire, c'est pas du tout un problème. C'est que la centrale soit occupée, prise en otage par les forces russes. Ah, les Russes prennent en otage une centrale nucléaire qu'ils ont construite et dont une partie du personnel est d'origine russe puisqu'ils ont été formés à l'agence atomique russe. Ils racontent littéralement n'importe quoi. Et là, c'est là l'irresponsabilité criminelle. Donc c'est pas celui qui tire, c'est celui qui reçoit les obus, qui est un irresponsable criminel. Bon, je crois qu'il n'y a presque rien à dire, hein, tellement c'est ubuesque. Alors, BHL, ce qui est extrêmement bizarre chez lui, c'est qu'il est toujours dans les plus mauvais coups. Vous savez que il a fait en sorte, bon, c'est pas lui, hein, il était qu'un, comment dirais-je, un agent d'influence pour qu'on envahisse l'Irak. Et puis on a appris, grâce à Blast, ben que BHL avait touché 9 millions de l'émir du Qatar et que BHL a voulu porter plainte pour diffamation. Il a demandé 100 000 euros à Blast. Il a été débouté et il a dû payer 3 000 euros aux médias Blast. Donc, qu'est-ce que c'est en fait que BHL? C'est un agent d'influence qui se fait, c'est un influenceur en quelque sorte, qui se fait grassement payer pour qu'on utilise sa notoriété lors des conflits. Je voudrais rappeler un élément sur BHL, moi, qui m'a, là où j'ai vraiment vu que c'était une sale ordure. Vous vous souvenez tous de la guerre en Afghanistan, et il y avait un commandant, Massoud, qui luttait à l'époque contre la Russie et puis après contre les talibans. Il se trouve que ce commandant Massoud n'a jamais reçu d'armes, ou très peu, de la part de l'Occident. Et oui, il l'est d'ailleurs, le commandant Massoud l'écrit dans ses mémoires que j'avais lues. Mais alors, BHL n'était pas l'ami du commandant Massoud, c'est pas les Américains qui ont aidé le commandant Massoud. Non, 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 les Américains n'ont absolument pas aidé l'ethnie du commandant Massoud, qui était sur des Tadjikis. Non, ils ont aidé les Pachtounes. Les Pachtounes, ce sont ceux qui sont devenus les talibans. Et ce sont ces gens-là, des islamistes radicaux, que les Américains ont armés et à qui ils ont donné ces fameux Stinger, qui sont des missiles anti-hélicoptères ou anti-chars. Voilà. Et quand on a commencé à faire remarquer à BHL qu'il aidait les Pachtounes, c'est-à-dire des intégristes islamistes, il s'est rapproché de Massoud, il voulait absolument le rencontrer, il disait sur tous les plateaux « mon ami Massoud », mais Massoud n'a jamais été ami avec BHL. Il l'a rencontré un quart d'heure, 20 minutes, parce que certains journalistes, il s'est débrouillé pour l'approcher, mais Massoud avait un très grand mépris pour BHL. Il savait exactement qui il était, un agent d'influence des Américains, et les Américains n'aidaient absolument pas Massoud, car il le craignait, il était trop indépendant. Voilà, il est tout le temps en train de faire des narratifs. C'est le gars qui nous transforme un pechtoun, un intégriste islamiste extrêmement dangereux, ce sont les talibans aujourd'hui, en soldats de la liberté. Comme il nous transforme certains néo-nazis en combattants de la liberté. C'est une sorte d'effaceur, en fait, de crime. On se souvient d'ailleurs de cette photo dont j'avais parlé. On voit BHL déambulant les rues d'Odessa,
avec Maxime Marchenko, qui était le chef du bataillon Haïdar. Il faut savoir que le bataillon Haïdar est accusé de crimes par Amnesty International. Et quand vous regardez un petit peu les gars de ce bataillon Haïdar, ils aiment bien décorer leurs bras de tatouages de croix gammées. Voilà, BHL, c'est quelqu'un qui est payé pour rendre acceptable des gens qui sont d'authentiques monstres, qui sont d'authentiques gens très dangereux. Alors, ce BHL, il est épaulé évidemment par un autre agent d'influence. Vous savez, j'en ai déjà parlé, mais celui-là, il faut que j'en parle un peu plus parce que les gens ont oublié. Voilà, c'est Raphaël Glucksmann. Alors, la dame que vous voyez contre son dos, c'est sa première épouse, Eka Glucksmann. Alors, Eka Glucksmann, elle est très, très intéressante. Pour quelle raison? Eh bien, regardez-moi ça. Alors, il faut savoir que Raphaël Glucksmann a eu des enfants avec Eka. Et Ekaterina, alors il l'appelle Ekaterina, Eka c'était son diminutif, ministre de la police de deux pays. Oui, vous ne rêvez pas. Eh bien, cette géorgienne a été mise de l'intérieur de Géorgie. Puis, lorsqu'il y a eu la révolution en 2012, elle a été chassée à grands coups de pied aux fesses avec Saakashvili, qui étaient des gens extrêmement corrompus. Eh bien, la CIA a fait en sorte que cette dame soit ministre de l'intérieur, vice-ministre de l'intérieur, en Ukraine, et oui, parce qu'elle a été destituée de sa nationalité. Et c'est là où on apprend quand même des choses tout à fait épatantes avec Eka et Raphaël. Eh bien, c'est que lorsqu'elle a été mise de l'intérieur en Ukraine, c'est le moment où Amnesty International a dit qu'il y avait le plus de tortures, de gens qui disparaissaient. Et à ce moment-là, du fait de la guerre, il y a eu 600 000 déplacés. Il y a plus d'un million de déplacés et 600 000 sont allés se réfugier en Russie du fait des exactions des bataillons ukro-nazis. Et Eka Glucksmann était donc complice de ce genre de choses. Et lorsque Raphaël Glucksmann était en Géorgie, c'est-à-dire avant 2012, Eka, pareil, avait les mêmes exactions, à tel point d'ailleurs que la présidente de la Géorgie accuse plus ou moins Raphaël Glucksmann de complicité, puisqu'il était marié avec Eka, de complicité de torture dans les prisons et de situation des droits de l'homme dans le pays. Alors Raphaël Glucksmann s'en défend en disant « Moi je suis pour la liberté ». C'est trop facile, on est marié avec une ministre de l'Intérieur qui commet les pires crimes, on dit « Ah non, non, moi je suis pour la liberté ». Et Raphaël Glucksmann nous expliquait que l'ancien président géorgien, Saakashvili, était son ami. Or, là aussi, ce Saakashvili s'est retrouvé chef de l'oblast d'Odessa en Ukraine. C'est ce qu'on appelait la mafia géorgienne en Ukraine. Il a tellement pillé le pays qu'il a été chassé à grands coups de pied aux fesses d'Ukraine et qu'il a dû se réfugier en Géorgie, où il est en prison, parce qu'il était apatride. Il avait perdu sa nationalité géorgienne. À tel point que les Américains considèrent Saakashvili comme un mafieux. Eh bien, voilà les amis de Raphaël Glucksmann, une femme qui a du sang sur les mains jusqu'au coude, et lui-même qui a été complice de cela à deux occasions. Et c'est le gars qui vient sur les plateaux de télévision nous expliquer où est le bien, où est le mal. C'est ce même BHL, l'ami de Raphaël Glucksmann, qui vient nous expliquer où est le bien et le mal, alors qu'ils sont corrompus, mais à un niveau stratosphérique. Et c'est là où on touche quelque chose. Vous imaginez que tous ces journalistes viennent choisir comme témoins de moralité, comme intellectuels, des gens qui appartiennent tous au camp atlantiste et qui viennent donc défendre le narratif américain ou le narratif ukrainien. Eh bien ça, c'est la meilleure preuve que nous sommes bien dans de la propagande. Il n'y a pas besoin de plus. À partir du moment où vous voyez Raphaël Glucksmann, BHL ou Patrick Cohen nous expliquer que où est le bien, où est le mal, eh bien vous savez exactement comment les choses se passent. Alors, je voudrais même ajouter, parce que l'actualité est parfois cocasse, Durper, le spécialiste des États-Unis, est mis en examen pour viol sur une ex-compagne. Mais vous imaginez ces experts américains. Vous avez Laurence Anime, vous avez Maryse Burga, dont je vais parler dans un instant. Vous avez BHL, vous avez Raphaël Glucksmann. On comprend bien sur quels critères ils sont recrutés, tous ces gens-là. Pourquoi quelque chose est pourri dans le royaume de nos médias? C'est du fait de cette image. Oh, je vous dirais, j'en sors toutes les semaines. Alors, Xavier Moreau est assez amusant. Il nous dit « Il faut interdire ces chaînes de télévision françaises qui servent la propagande du Kremlin. » En effet, nous voyons, c'était un reportage sur les enfants soldats.
et nous voyons un jeune garçon saluer les militaires qui passent. Et à l'arrière-plan, et c'est ce que j'ai capturé, on voit une jeune fille, un jeune garçon faire un salut nazi. Eh bien non, ce n'est pas un salut nazi, paraît-il. On a la berlue, puisque Maryse Burgo, pas Burga d'ailleurs, j'ai eu une petite hésitation, ancienne correspondante aux USA, évidemment, nous explique que pas du tout, ils ne font pas du tout un salut nazi, ils étaient en train de dire « couffer coucou ». Ils se foutent de nous à un niveau XXL, parce que dans le reste du reportage, sur un plan, on voit le drapeau rouge et noir des banderistes. Bandera, c'était pas de Bandera, c'est un criminel ukrainien pro-nazi, dont je vais parler de suite, puisque Arnaud Klasfeld, qui a eu un rôle assez important dans la traque des anciens collaborateurs aux nazis, nous explique que les Ukrainiens, eh bien, ils rendent un culte à Stepan Bandera, que vous voyez ici à l'écran, qui a tué des milliers de juifs, et qu'à Kiev, il y a toujours sa rue, et qu'il y a une sorte de commémoration. Vous vous souvenez d'ailleurs, je vous avais montré que Zelensky disait qu'il était cool, Stepan Bandera, et qu'il y avait quelque chose qui n'était pas possible. Voilà, et il y en a quelques-uns qui oublient, en effet, que les juifs ont été martyrisés en Ukraine par Stepan Bandera, et que tous ces ukro-nazis continuent à rendre un culte. Et c'est ça que l'Europe essaie de défendre, et c'est ça que qu'on nous présente comme exemple. Oui, eh bien, il faudra aussi que certains s'expliquent pour leur complicité. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Alors, je voudrais terminer sur quelque chose qui, a priori, n'a rien à voir, et si vous allez comprendre pourquoi. Alors, si je vous mets cette affiche, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire avec la guerre en Ukraine? Vous voyez Mark Ruffalo dans un film qui s'appelle Dark Water, et qui traite du scandale du téflon aux États-Unis, de cette société chimique DuPont de Nemours, comme disent les Américains. Je vous conseille ce film, il est vraiment formidable, alors c'est pour ça que je ne vais pas le raconter, juste dire que Mark Ruffalo est un avocat, et il va défendre des victimes de DuPont de Nemours. Ça, c'est ce que vous aurez comme mini-pitch, mini-résumé pour le début. La chose importante, c'est de comprendre que lorsqu'une société commet des crimes de très grande ampleur, ils ont suffisamment de moyens juridiques pour faire traîner les choses. Que ça soit pour l'affaire de Perdu Pharma avec les opiacés, ça a duré 20 ans de procès. Pour le TPI, 5 ans d'enquête, etc. Et là, sur le Teflon, c'est plus de 15 ans. Autrement dit, la vérité, nous la connaîtrons que dans une dizaine d'années. C'est ça le problème, parce que tout sera fait pour nous empêcher de savoir. Et ça sera la même chose pour des scandales sanitaires très récents. Voilà, donc il va falloir être patient. Le temps des procès n'est pas le temps de la vérité immédiate, c'est clair. Et tous ces journalistes le savent. C'est pour ça qu'ils mentent impunément. Ils savent qu'ils peuvent nous tromper parce que peut-être ils seront morts, ils seront plus là, ou les choses auront changé. C'est le calcul qu'ils font. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on est toujours dans le combat contre le wokisme, contre le totalitarisme, contre la propagande. Et nous sommes en train de nous apercevoir que cette presse nous place dans un pays du tiers-monde, un pays totalitaire, puisque nous n'avons plus du tout accès à la vérité, nous n'avons plus le droit à un son de cloche, et celui qui émet une critique, eh bien, il devient un complotiste. Nous avions le complotiste Covid, eh bien, Patrick Cohen vient d'inventer le complotiste de guerre. Vous imaginez ce recul intellectuel, le fait qu'on n'ait plus le droit de confronter l'information qui est à la base de la construction journalistique. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux, et puis bye bye !